Ah merde, je l'ai vu trop tard la boule. Oh la vache. What the fuck? What the... Seriously, no.
C'est quoi ça? Disque de données au mien. Attends. Ah bah ça m'a coûté de la farm. Ça m'a coûté grave de la farm de faire celui-là. Oh la vache. On a eu quoi? J'ai rien lu du tout. Ça m'a pris au moins... Attendez, je vais mettre pause parce que je suis en train de perdre tous mes buffs et tout ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai testé 2h30, je crois, à peu près. 2h ou 3h, honnêtement. Avec l'équipement que j'avais avant. Et donc la coccinelle et tout ça. Mais le truc, c'est que j'avais pas de vraiment les bons soins et tout ça. J'avais que ça, j'avais ça. Après, j'avais bien sûr plein de charançons et tout ça. Mais c'était pas assez. Donc, je suis allé farmer. Je suis allé farmer. Donc, j'ai fait des. Je suis allé farmer en plus de la science pour pouvoir acheter en fait les nouveaux repas. Qui permettent de donner donc ça. Attendez, c'est celui-ci. Tu subis moins de dégâts, donc résistance aux dégâts et santé maximale augmentée. Donc ça dure longtemps, ça dure à peu près 20 minutes, je crois. Donc j'ai pris ça en repas. Après, j'ai fait des potions. Donc j'ai fait la nourriture humaine collante, donc ça dure plus longtemps. Donc ça a duré quasiment le temps du combat, je pense. Après, j'ai pris ça, attaque plus, et là on a santé maximum. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour me soigner en fait. C'est les mêmes que ça, mais sauf que c'est les costauds parce que j'utilise le set de la fourmi de feu parce qu'il y a corrosion en fait. Donc c'est un robot. Alors j'ai regardé vite fait. Donc concasse et aigre, hein, bah, c'est un robot, hein, donc il est immunisé après plus ou moins à tout le reste. L'un des employés les plus détestés de l'histoire de l'Ominant, le directeur Dalton Schmechtor, retrouvé vivant dans le laboratoire caché sous les profondeurs humides du château de Moldrug au travail sur le projet Orc. Donc voilà, c'est aigre, c'est un gros robot, hein, comme d'habitude, les robots aussi ils sont toujours acides et concasses et tout ça. Mais c'est trop lent, et après j'avais pas vraiment envie de faire un marteau exprès pour ce combat. Donc on a continué à la masse d'armes, qui fait des bons dégâts, mais j'avais envie d'utiliser du coup un autre set, parce que ça m'aidait pas vraiment en fait de pouvoir me soigner facilement. Du coup j'ai pris ça, donc il y a corrosion. Les attaques ont une chance d'affaiblir la défense des ennemis. Bon, on voit pas comment ça fonctionne, mais bon, c'est bien. Du coup, ça me permet de faire des plus de dégâts. J'ai fait aussi des flèches corrosives, des flèches acides. Honnêtement, au final, je les ai pas utilisées. Je vais expliquer pourquoi. Et après, j'ai augmenté tout le set. Donc, il n'y a que cette partie qui est au niveau 8. Le reste, c'est 9. On a dégâts causés par l'acide augmenté. Donc, je pensais en fait l'utiliser pour surtout la flèche acide. Alors ça fait, j'ai tiré 3 flèches, ça fait pas mal de dégâts. Ça fait pas mal de dégâts honnêtement. Mais en fait j'ai eu une autre façon de jouer. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, bon quand même à faire plusieurs essais différents. Genre j'avais la mutation du Foreman et tout ça pour voir si on pouvait le stunner et tout ça. J'ai remarqué que bloquer en fait parfaitement, genre quand il y a une araignée, Ça fait une onde de choc du coup, et ça repousse aussi le boss. Et du coup, ça le bloquait en fait quand il faisait cette animation. J'essaierai de le mettre en vidéo pendant que je parle. Cette animation où il l'invoque en fait, il fait différentes phases. Il y a les lasers verts, il y a les boules bleues, et il y a l'appel des araignées. Donc du coup, ce que j'ai commencé à faire, vu que j'ai vu que ça marchait bien, ce que j'ai commencé à faire, en fait, c'est tuer une araignée rapidement et garder l'autre en vie à côté du boss, du coup. Et ça me permet, en fait, de bloquer et de l'interrompre. Et du coup, bah, j'ai pas eu beaucoup de laser ou quoi que ce soit. Donc je suis très content. Et le seul problème que j'avais, parce que en fait, j'ai commencé à faire cette technique, et je trouvais ça assez intéressant, et que ça fonctionnait bien, et en fait, le problème c'est que je prenais trop grave de dégâts. Je prenais grave de dégâts,
Même avec l'armure, je l'ai prise sur moi au cas où, hein, juste si je voulais vraiment changer. Mais même avec le blastron, enfin le truc de coccinelle, le set complet et tout ça, le fait de se soigner, en fait, de se super soigner grâce aux atouts, ça marchait pas vraiment bien. Donc il me fallait de la réduction de dégâts, donc c'est pour ça que je suis allé farmer pour ça. Donc voilà, donc du coup, santé maximum et des dégâts en moins. Plus encore du dégât en moins et encore de l'attaque en plus. Donc voilà. Et après, j'ai voulu mettre ça aussi, régénération plus. Voilà, régénération santé en continu. Donc ouais, j'ai pris ça aussi pour vraiment être à fond en vie. Qu'est-ce que j'ai augmenté? J'ai augmenté. En plus, je suis allé farmer des scarabées et j'ai augmenté du coup l'arbalète au niveau 8. Mais au final, bah, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Bon, après, j'ai vu quand les trois carreaux là faisaient quand même très très mal, hein, les carreaux acides. Ah, donc, c'est pas mauvais. Hein, surtout en tirant en fait avec le set de la fourmi de rouge là. Non, pas la fourmi rouge. La fourmi de feu. Donc ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Mais voilà. Donc ça s'est passé comme ça. En gros, c'est le stun en boucle grâce au. Enfin, c'est l'interruption en boucle grâce à l'araignée en fait qui est restée en vie. Donc je crois qu'on a gagné une mutation, c'est ça? Pot de vin d'entreprise. Riposte contre les faibles. La conversion des attaques bloquées en énergie donne aux attaques un effet vol de vie important. Oh, intéressant. Intéressant. La conversion des attaques bloquées en énergie donne aux attaques un effet vol de vie important. Je comprends pas. Description. Mais bon, ok, on a ça. On va prendre ça. Et je crois qu'on a eu de la fabrication aussi, apparemment. Pierre aiguisée super. Ah, on a ça maintenant. On a les niveaux 3 en fait. On peut les créer. Ça va. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est cool parce que normalement, il faut les trouver ça. Donc là, on a débloqué les versions 3 suprêmes, mais avec des objets de monstres, de créatures. Ah, ça, c'est vachement bien. Après, j'ai vu quoi? Hache de guerre acide. Une hache étonnamment mortelle, plus grande que nécessaire, exploitant le pouvoir électrisant des bonbons acides, Wormhole. C'est encore à deux mains. Ah non, ah non, attends. Non, c'est à une main ça. Parce que la vitesse elle est augmentée. C'est une hache à une main, sans déconner, ça existe. Oh putain, j'avais dit que j'en voulais une de hache à une main. Avec ça là, le hache tout là, ça peut être marrant. Le corps plein permet de déséquilibrer tes ennemis. Et les stats sont vraiment bien, les dégâts sont vraiment bien. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Notre masse de base, elle a 3, elle a 2, 2,5. Bon, elle a plus d'étourdissement, mais au final. Bah, c'est bien du coup, bah, on peut utiliser la hache avec ce set, peut-être ça peut être pas mal. Après, bon, c'est de l'acide, hein, faut voir un peu comment ça fait. Honnêtement, le set de la. Je sais pas si on a gagné. Bon, on va partir en tout cas. Je sais pas si on a gagné avec le set de la fourmi de feu. Qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes guéri? Revenge! I kid. But no, mostly revenge. Of course, I don't really mean that. I just want to get you home. And then I will do what I can to try to repair the things that have been broken. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas si le set de la fourmi m'a aidé, honnêtement, avec l'acide, parce que ça réduit la défense, donc j'ai pu lui faire très mal, parce que vu que j'utilise ma masse, en fait, elle est salée, elle fait pas vraiment de dégâts supplémentaires, en fait, sur le boss. C'est quoi ça? Bombe de perturbation ORC. Une bombe perturbation acide qui, lorsqu'elle est déclenchée, agit comme un dispositif EMP sur toutes les créatures ORC dans une large zone. Ah, c'est sympa. Donc c'est un EMP pour les ORC. Ok. Ah tiens, on peut peut-être mettre ça en défense. Ah oh, non, mais c'est chiant à faire. Jamais je le ferai. Bon, c'est des trucs, faut passer des heures à farmer les. Bon, ça c'est les potions que j'ai faites. À farmer les trucs, ça va quoi. Bon, on se casse. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, on a eu un objet que j'ai pas eu le temps de lire. Ah oui, j'ai fait des quêtes aussi et j'ai récupéré une dent en plus. Je vais vous expliquer après.
Disque de données au minant. C'est ça ou pas? Je crois que c'est ça. Tous les fichiers sont la propriété exclusive dominant par direct technologie OM backup Z. T'as du fichier projet Orc, Spacer, duplication, recherche sur l'agrandissement. Qu'est-ce que c'est tout ça? The Humungus. Et squad d'exploration de la brèche. Hypercore Dark Nul, micro triangulation biologique, micro stabilisateur stockage. C'est pas un crime, mais c'est mieux que rien. Bon, bah, je suis content, on a fait ça. Ça serait bien que ça arrête les ORC, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues sur la carte ou pas? I could devour a Billy Hog right about now. Donc ouais, je me demandais un moment où quand est-ce que le jeu va aller me pousser à faire des choses comme ça. Genre créer des potions genre qui réduisent les dégâts et tout. Parce que pour le moment, les boss et tout qu'on a fait, on n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit comme ça. On n'a pas eu besoin de faire de la nourriture anti-dégâts, on n'a pas eu besoin de voilà de réduction de dégâts et tout ça, on n'a pas eu besoin. Donc je me demandais vraiment quand ça allait arriver. Et aussi, du coup... Donc j'ai pris une dent, j'ai trouvé une dent, je me rappelle plus où elle était. Ah si si si, je suis allé là. Vous vous rappelez à un moment j'avais une quête ici. Donc j'y suis allé, donc en fait depuis à peu près là, c'est quoi ce icône? Ah c'est le frisbee, non c'est avant le frisbee. Genre là, je suis allé sur des branches et en fait j'ai fait un pont en argile comme d'habitude, juste pour aller là. Donc du coup j'ai pu finir ma quête où il faut mettre un signe là. Donc voilà, j'ai fait ça, et du coup, il y avait un scabby dessus. On est la nuit ou le jour? Il y avait un scabby dedans, c'est ça, merisier. Donc, ouais, c'est sympathique, honnêtement, si vous aimez ce type de rouge. Donc il y a ça, et je crois qu'il y avait une dent à cet endroit-là aussi. Je sais plus où j'ai trouvé la dent, honnêtement. J'ai un doute. J'ai un doute. Oh, c'est vrai que j'avais oublié que c'était là. J'ai un doute pour la dent, je vais être honnête. Je suis tellement allé à droite, à gauche et tout pour farmer, en fait. Du coup, j'ai un doute sur ce que où je suis allé, maintenant. Parce que j'ai récupéré des scarabées scintillants, ça aussi ça me fait chier. Je suis allé récupérer... bah je suis après allé, c'était plus ou moins farmer de la science hein, pour avoir 3500. Et 3500 pour acheter les nouvelles recettes. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer à la base et je vais vous montrer un peu... on va faire les nouvelles armes. La hache, ça me botte bien. J'aime bien la hache. J'aime bien la hache. Encore une fois, ce jeu manque cruellement. Et je suis allé regarder encore s'il n'y avait pas de... S'il n'y avait pas de... De mode. C'est pour voir si vraiment ça s'applique en fait aux ennemis. Ça. Tout ce qui est genre augmentation là du... Non, enfin, genre corrosion, genre baisse de la défense et tout ça. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Genre par exemple, mon set de fourmis est censé... Genre change de frapper avec un jet d'acide supplémentaire lors des attaques de mêlée. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai jamais vu de jet d'acide quand je tape. Jamais vu, alors que... Enfin, voilà, j'ai jamais vu ça. Alors, est-ce qu'il faut taper acide? Est-ce que ça marche simplement quand on tape acide? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est des trucs comme ça. Donc là, on va utiliser par contre la hache. La hache, ça va être pas mal avec ce set. Peut-être que là, ça va être intéressant. Celle-là, elle est facile à faire. Je peux la faire. Ah, bout de punaise verte, 5. Ah, mais je crois qu'on doit en avoir au moins 5. On doit au moins en avoir 5. Parce que on a quand même tué pas mal de... Vous savez, les veuves noires et tout ça, là.
Sinon, je dois toujours faire ma défense. Hein. Je l'ai toujours pas faite. Hein. Donc, la défense là. Donc, je sais pas si je vais la faire maintenant. On va voir. Vu que maintenant j'ai de la bouffe et tout ça là qui peut baisser les dégâts qu'on prend et tout, je pense que on va aussi prendre une arme à deux mains. Bon bah du coup je suis un peu dégoûté, c'est pour les flèches, ça m'a pas servi à grand chose. Mais bon, au moins j'en ai fait. Mais bon, j'aurais bien voulu ne pas en faire. Mais ouais, non, mais les dégâts sont pas mal. À la limite, si jamais je dois faire un duo ou je sais pas quoi, je sais que les dégâts comme ça font très très mal. Je suis allé récupérer aussi des... ça, là. Des choux de biceps pour faire des potions qui soignent vraiment beaucoup. Parce que vu que j'utilisais plus le set de la coccinelle, bah du coup, les soins étaient pas vraiment top. Donc, fais voir. Yes! Attends, oui, c'est ça là. Vous voyez, les cubes, j'en ai pas beaucoup. Ok. Donc la hache acide. Ah non, c'est une double. Une deux mains, quoi. Fais chier. Bon, elle est rapide, quoi, mais. Ah, j'étais persuadé que c'était une main, mais... Dormir... Ah, je suis deg. J'avoue être un tout petit peu deg. Après, une hache... Acide, en théorie, c'est pas vraiment intéressant. Si j'y pense. Si on y pense. Ça sert à quoi? Parce que... Ah oui, pour les robots. Mais bon, les robots, ils sont résistants à la coupe. Ah, peut-être que cette arme, c'est une arme spéciale. Genre la dégâts générale ou je sais pas quoi. Là, je sais plus comment ils appellent ça. Genre c'est un peu comme la masse. Peut-être. Peut-être que c'est... Ou alors c'est peut-être purement acide. Attends, je voudrais faire ça. I'm all geared up. Ça fait pas mal de dégâts. Honnêtement, ça fait pas mal de dégâts comparé à ma masse, alors que ma masse en théorie elle fait... Ah non, même elle en fait, elle fait plus de dégâts. Bah du coup, avec le set de la fourmi de feu, en théorie, bah la hache devrait faire encore plus de dégâts. Parce que ça augmente. En théorie. Je voudrais bien trouver une coccinelle qui traîne, parce que je sais qu'elles sont résistantes les coccinelles. Du coup, ça me montrerait un peu la puissance. Est-ce que je peux couper avec ça, par contre? Ah, yes! On peut couper, donc ouais, c'est considéré vraiment comme une hache. C'est vraiment considéré comme une hache. Je sais pas quoi vous dire, moi. Est-ce que on met notre hache là de côté? Est-ce qu'on prend celle-là à la place? J'en sais rien. J'aimerais bien avoir des armes en fait qui sont un peu polyvalentes et tout ça, mais au final dans le jeu c'est compliqué d'avoir des armes polyvalentes. Il y a tout qui ont des faiblesses et des résistances, donc bon, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Qu'est-ce que j'ai dans le frigidaire? J'ai tout ça. Que ça servait à rien, l'ambiance de combat. Donc ouais, pour les...
pour les trucs, c'est ça. C'est... On a les tourtes de termites maintenant, donc vitesse de récolte d'herbe et de gravier, c'est pas vraiment intéressant. Et après, c'est ça, c'est le burger de bœuf. Ça, ça demande deux scarabées de bœuf, donc c'est quand même un peu chiant à avoir. Et après, ça fait résistance aux dégâts et santé max, donc c'est bien. Alors après, par contre, entre temps, ça c'est encore un autre sujet. Du coup, je vais peut-être. Ça, faut en étendre un peu là. En faire sécher un peu. C'est un autre sujet. Vous vous rappelez de ça? Ça, là. L'émetteur de bouillettes. Alors, je suis allé voir, en fait, à quoi ça servait exactement. Je suis allé regarder des vidéos. Donc, en fait, vous le créez. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre, en fait, un type de ressource. Donc, par exemple, disons que je mets... par exemple, un morceau de fourmi rouge. Et en fait, je l'active. Et ça va faire venir des fourmis rouges. Et je vais devoir défendre, en fait, le truc. Si je veux, bien sûr, gagner. Et en fait, c'est une défense de base, en gros. C'est tout simplement une défense de base. Et grâce à ça, du coup, ben, je vais pouvoir, en fait, faire venir des fourmis rouges. Ou n'importe quoi, en fait. Ça dépend de ce que j'ai mis à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je trouve que les dégâts sont quand même vachement élevés. Hein. Je veux pas dire, mais j'ai l'impression que le truc il est quand même très puissant. Just like a fruit pound. J'ai l'impression que la hache quand même est vraiment très puissante. Alors est-ce qu'elle est puissante parce qu'elle est puissante de base, ou est-ce que c'est ils sont robots, enfin ils sont contrôlés là, tout ce qui est ORC c'est contrôlé, donc est-ce que contrôlé ça veut dire qu'ils sont aussi, ils gagnent une faiblesse en fait contre le aigre peut-être, donc je sais pas, bref, donc, tout ce que je veux dire voilà c'est que je peux peut-être faire un lieu, un endroit pas loin de la base, je sais pas, genre peut-être vers là, un truc comme ça, j'en sais rien, où on peut faire venir des bestioles et en fait farmer comme ça. Et du coup, on fait venir des monstres, en fait. On n'a pas besoin d'aller à droite, à gauche. Donc, c'est assez sympa, ce système-là. Après, il y en a qui disent que c'est pas très rentable et tout. Genre, vous mettez des pièces de, genre, qui sont rares. Vous n'êtes pas sûr d'avoir le ça en retour. Mais bon, pourquoi pas tester un jour ou l'autre. Or, déjà, son attaque est haute de base. Donc, du coup, elle devrait faire très mal. Elle devrait monter très haute. Ah, je suis content qu'on ait débloqué ça. Ça, les trucs suprêmes. Bah, vous voyez, par exemple, ça, on pourrait mettre des carapaces de coccinelle à l'intérieur du truc là pour faire venir les monstres et on pourrait en farmer. Je vais tester ça. Je vais peut-être pas finir l'histoire encore maintenant. J'ai envie de tester en fait ce système là. Pierre aiguisée, plaquage fragile. Attends. Non, c'est quoi qu'il me faut? Oh putain, je vais pas avoir assez sérieux. Pierre aiguisée fragile, je peux pas en faire. Enfin, je peux pas en faire. Je vais garder une épine de côté, parce que comme ça sera dans le coffre. Parce que j'ai pas envie d'aller trifouiller les coffres. Donc voilà. Donc là, elle est juste à plus 3. Fais voir un peu le boost de dégâts. Ouais, c'est pas mal. Hein. Genre à plus 9, elle doit être presque pleine. Elle doit être presque pleine, honnêtement. C'est intéressant comme hache. C'est intéressant. Une hache acide. Peut-être que ça peut être une des meilleures armes pour tout ce qui est robot, je dirais. À utiliser avec la cuirasse du fourmi. Si jamais, même si les monstres en fait sont un peu résistants aux dégâts, parce que c'est juste une hache, si jamais le fait d'avoir des dégâts causés par l'acide supplémentaire, là, ça marche bien sur la hache, parce que honnêtement, ça a l'air. Parce qu'elle a l'air de faire très mal. J'ai même envie d'aller... vous savez quoi? On va sauvegarder et on va aller voir les araignées. On va aller voir les araignées vite fait. Smart, fast, je vais faire mettre fin à l'épisode, là, de toute façon. Je vais juste faire des tests. Puis après, on va... ça faut tester. Ça, on n'en a pas besoin. Non, on va prendre la hache tout. Je sais pas quoi mettre.
Résistance au poison. Je veux créer là le truc pour farmer les objets. Parce que comme j'avais besoin d'objets, en fait c'est pour ça que je suis allé regarder comment ça fonctionnait et tout ça. Genre j'avais besoin de choses pour pouvoir faire les potions et tout ça. Et du coup voilà. Mais ouais, c'est assez intéressant là ce qu'on peut faire plutôt. J'ai pas de carreaux. Je fais les deux en même temps, je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. Don't think my go-to spider elimination strategy is gonna be much use on that. Honnêtement, les dégâts sont très potables en fait. Je vais être honnête, les dégâts sont super potables alors que... Bon, il y a faiblesse coupe, à la limite. Mais c'est pas... Enfin, est-ce que c'est vraiment c'est considéré comme de la coupe, la hache? Oui, enfin, j'imagine que oui. De toute façon, on peut couper même les... tout ce qu'il y a, en fait. On peut couper ça et tout ça. Mais ouais, les dégâts sont pas mal. Est-ce que la hache épicée est mieux? Ouais, j'en sais rien, en fait. Peut-être. J'en sais rien. Je sais pas quel est le mieux. Je sais vraiment pas quel est le mieux. Ça va. Ah, très bien. Mais ouais. En tout cas, ce sera la fin de cet épisode. Je sais pas si. Bon, comme j'ai dit, alors peut-être je vais faire ça, le truc là, pour voir comment ça fonctionne. Pour faire des tests. Ou alors on va faire la défense. Et la défense, je sais pas comment la faire honnêtement. Je sais pas. J'ai envie d'augmenter cette hache en fait. Donc je vais peut-être essayer de faire le test et farmer des épines larvaires là. On peut mettre peut-être je sais pas, des créatures. J'en sais rien. Voilà. On verra ce que ça fait. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.